Salut tout le monde, aujourd'hui, eh ben que nini, pas de quête Aïjal, pas de quête en Pandarine. Aujourd'hui, épisode spécial avec notre ami Diarkos. Diarkos, bonjour. Salut Foufli, on est de retour pour les Terres de Feu en mode 25 normal. On va aller tataner du Uraniaro, si j'ai envie de te dire. On va tataner du monstre, on va tataner de la bestiole. Je vais surtout me faire tataner les fesses si ça fait exactement comme dans le dernier raid ICC 25, où j'ai fait paillasson pas mal de fois quand même, hein. Ah oui, bah en principe les arbres ça devrait mieux aller là je pense. En principe hein, mais c'est les principes. Et ben on va voir ça tout de suite, je fonce ça. Directement dans le vif du sujet pendant que Diarkos se dandine telle une petite folle alcoolisée devant le donjon. Voilà, bon, moi je suis rentré, je te prends dans ma moto quand même. Tu me prends où tu veux, y'a pas de soucis. Ça commence. Oh là là, j'ai même droit à mon petit chariot personnel. Bah bien sûr. Oh Diarkos, t'as fait ça bien. Si je couche pas avec toi à la fin du donjon, c'est qu'il y a un truc qui a pas collé entre nous alors. Ah mais Foufflé VIP hein. Oh mon dieu, il y a un gros vilain. Dis donc, il est impressionnant celui-là. Hein, de quoi tu parles de quoi? J'ai rien vu. C'est juste un trash en plus ce machin. Ouais, c'est juste un trash, ouais. Mais ça te rappelle pas le cœur du magma? Si, mais ils m'ont l'air encore bien plus gros. Ouais, alors eux, je vais les faire parce que... Parce que je vais les aggro. Et voilà. Alors, je vais pas ramasser tous les loot, hein, parce que j'ai pas assez de place dans mes sacs. Ah bah putain, j'ai pris cher, moi. Déjà, mais j'ai pas trop compris pourquoi. J'sais pas. Pourtant, t'étais pas du tout en combat, en fait. Bah, ça commence, putain. À mon avis, c'est ton skill qui m'a tellement impressionné, qui m'a fait une émotion interne. Ouais, non, mais derrière mon stuff, je suis tout feu, tout flamme, t'as dû trop t'approcher. Tout feu, tout flamme, ouais, on dirait un chevalier du Zodiac gay. Ah, ça commence, dis donc, un bâton qui tombe. Voyons voir le skin. Ouais, bon, il est pas folichon, mais c'est pas grave. Alors, le gros chien lui fait une AOE normalement. Okay, ouais, il a pas eu le temps. C'est une AOE qui fait. Alors, tu vois, regarde, t'as marqué un message. Tandis que tombent les créatures des terres de feu, et un corps de chasseur se fait entendre au loin. T'es bien gentil, mais tu sais, quand il y a une phrase en gros et en jaune qui s'inscrit sur mon écran, je le vois. Oh, bah, tu sais, des fois je les zappe, donc peut-être que toi tu les zappes. Non, non, je les zappe. Je dis ça, je dis rien. Hein. Alors t'es où dans tout ce bordel? Je suis entre les mobs que t'as massacré. Hop, je monte sur la moto. Ouais, c'est nous les motards. On va tenter les esquives. Ah bah écoute, okay. Tu tentes, hein, vas-y, y'a pas de soucis. Je vais éviter de t'envoyer dans le tas aussi. Alors si t'as des petites histoires à raconter sur le lore du donjon comme t'as fait lors de l'affrontement contre le roi Lich, hésite pas, hein, parce que visiblement ça a bien plu, donc hésite pas à le faire. Bah les terres de feu, y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est le retour de Ragnaros qui était apparu à Molten Core en 2004 ou 2006, j'ai un doute. Bah le jeu est sorti en 2005. Je crois que c'est 2004. Non, il est pas sorti en 2005, le jeu est sorti en 2004. Ah oui, en 2004, ouais, juste. Alors c'était en 2004. Et je sais que Ragnaros, la version Molten Core, a tenu un an sans que personne ne l'écline en fait. Ah mais à l'époque c'était chaud, hein. On faisait les raids à 40 plusieurs soirs par semaine sans qu'on arrive à battre certaines fois. On n'arrivait pas à passer un boss des fois, on y passait une semaine entière. Aujourd'hui à mon avis les guildes elles se disloquent si après une semaine tu passes pas un boss. Hein. Oh mais monsieur, j'ai fait les raids 40, j'ai fait Molten Core 40. Ouais mais tu l'as pas fait à l'époque. Mais alors. À l'époque où on n'avait pas tous ces sites. Laisse-moi dans mon prestige, d'accord. J'ai fait du LFR 40, on va se calmer. Tu me préviens quand il y a un boss, hein. Ouais, pour l'instant il y en a pas. Ah, je me suis pris un coup de flamme d'un poussin. Ah. Faut courir. Je me fais attaquer par un poussin démoniaque. Bah c'est cette monture que je nid en fait à la fin. C'est le même. Et toi, celle que tu peux potentiellement avoir, c'est celle-ci. Parce qu'il faut savoir que Diarkos, il m'emmène ici, par gentillesse évidemment, mais c'est surtout parce qu'il veut se la péter grave en chopant des montures. Ce serait beau quand même d'en choper une en live, hein. C'est vrai que ce serait pas mal, mais peut-être, en général, on dit toujours que quand on amène quelqu'un dans une nouveauté que pour un jeu, par exemple, et qu'il gagne, on dit toujours que c'est la chance du débutant. Ouais, voilà, donc peut-être que toi, tu auras la chance du débutant avec Alice Razor. Moi, j'ai encore fait Ragnaros tout à l'heure sur mon chasseur. Mais là, on a deux pouvoirs avec nous. On a la chance du débutant grâce à moi et on a le gros pouvoir du cocu grâce à toi. Pourquoi le cocu toujours? Ah bah, je peux pas avoir les deux en un et je suis pas un super-héros non plus. Hein. Alors, tu vas attaquer la Pandarie maintenant, du coup. Avant, je vais terminer Ija, là-bas. Oui, tu vas bientôt attaquer la Pandarie, je veux dire. Ouais, je vais pouvoir violer de la Pandarène dans les brasseries. Oh, ouais. Je vais faire du RPQ dans les brasseries. Attention, tu dérouilles. Ah putain. Mais moi, j'observais ton skill incroyable et j'ai pas fait gaffe. Et en fait, c'est parce qu'il lance des lances. T'as vu le jeu de mots? Waouh, Diarkos, tu m'épates. Vous m'épatate, monsieur Diarkos. Messire Diarkos, un peu de respect. Messire mon cul, ouais. Messire épilé. Ouais.
T'es au... à la rigueur. T'as autant de virilité que mon furet. Premier boss. Oh, yeah. Par contre, là, j'ai du mal à voir comment on va faire pour pas que tu meurs, en fait. C'est pas grave si je meurs. Oui, mais bon, c'est quand même en kikinant, parce qu'il va y avoir plein d'adataires, et puis en fait, faut monter en haut pour la tuer. Ah. Et qu'est-ce qui fait donc... de spécial, ce boss, à part monter en haut et cracher? Il fait que des dégâts de zone, pratiquement. Ah, tiens, ça, doit être... ça doit être une plaie pour les... pour les soigneurs, ça. Ah oui, oui, non, mais à la rigueur, non, ce boss était assez facile, en fait, à l'époque de TF1, ou alors j'avais un très bon groupe. Ah, donc là, il y a plein de petites bébêtes, alors moi, j'essaie de tomber le boss le plus vite possible. Tu peux claquer une bubule, je dirais. J'ai pas eu le temps. Ah, voilà, donc moi, je fais le boss. Alors, en fait, quand t'es en haut, il fait une grosse AOE, et ça transperce la toile, et si tu restes là où la AOE tombe, et bah, tu tombes avec. Vu d'accord. que la toile est trouée. Et donc, va-t-il y avoir du loot pour mon petit paladin? Oh, alors... il y a de la chose là. Du... ah oui, il y en a énormément en mode 25. Alors, ok. Bon, là, il y a trop de choses pour mes petits yeux. Alors déjà. Là, j'ai la plaque avec de l'intel. Ça, déjà, pas pour moi. Je vois un beau bijou pour toi déjà. Pour du commencer. Cuir, c'est pas pour moi. De la braise vivante, j'en ai pas besoin de ça. Non. Maîtrise. Bah, la maîtrise, c'est important. Ah, tu m'arrêtes, merci. Je regarde les loots avant de partir. Alors ici j'ai de la plaque, 24 force, 48 tendue, de l'esquive et de la maîtrise. Et les bijoux, fuseau à soie d'araignée, les attaques ah non, de mêlée... non, le bijou faut que tu le prennes. C'est les deux mêmes? Oui c'est les deux mêmes et un des deux faut que tu le prennes. Ouais attends je regarde. Donc sous les 35% de vos points de vie, il faut modifier un bouclier protecteur qui absorbe les dégâts. T'as encore un bijou 272 niveau d'objet en fait. Alors j'en prends un. Tu le mets à la place de talisman lève œuf. Ensuite je prends... mon petit bijou qui est ici. Oui parce que moi je veux garder le bijou qui me transforme. Oui, c'est marrant, c'est drôle. Ouais, il est pas mal. Voilà, je mets le petit buff qui est là. Et je monte dans la moto, c'est parti. YOLO, comme on dit. Combien il y a de boss au total? là, alors, que je compte, hein. Alors nous avons la grosse araignée qui vient de tomber. On a Alice Razor. On a le gros méchant Riolite, on a celui juste avant avec les pieds. Bref, ça nous fait un joli total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boss. Je suis déçu que tu ne connaisses pas la réponse directement. Ah bah excuse-moi. Hein, Ah bah, je sais pas, ça se présente comme étant Monsieur Diarco, c'est en fait... en fait rien non, du tout. Honnêtement, TDF, c'est un raid qui est vachement joli, mais... Ah si j'y vais c'est juste pour la monture hein. Ouais. Ça fait combien de temps que tu le farmes depuis sa sortie celui-là? Bah c'est assez compliqué. Parce qu'avant je le farme depuis Mist of Pandaria concrètement. Depuis que j'arrive à le solo en fait. Ragnaros hein, j'entends ouais. Sachant qu'Alice Razor pouvait se solo à Cataclysme. Mais c'était surtout les trash les plus chiants. D'accord. Voilà. Et non donc j'avais jamais solo d'ailleurs Alice Razor à Cataclysme. C'est le premier solo sur Alice Razor que j'ai fait. C'est pas pour autant que j'ai pas monté de groupe à l'époque, hein, loin de là. Mais le premier solo, j'ai la monture est tombée, je l'ai eu. Putain, t'as eu du cul. Eh oui. Comme quoi, des fois, finalement, ça tombe. Hein. Ouais, mais bon, faut. J'aurais préféré que ce soit une autre que celle-ci, quoi. Pas pour dire, mais Invincible, elle commence à me les briser sévère. Tu m'étonnes. Ça fait combien de temps? J'y suis encore. Cataclysme, donc. Et quand je vois Winter, 32 trials, ouais, enfin! Parce que toi, tu le trials vraiment toutes les semaines ou ça t'arrive ah, certaines semaines? Toutes tu les le semaines. Pas c'est très très rare, c'est quand j'ai vraiment un empêchement que je le fais pas. D'accord. Sinon, je le fais chaque semaine. Là, j'ai encore fait tout à l'heure. Et Cataclysme est sorti il y a combien de temps? 2 ans? 3 ans? Non, beaucoup plus. Mist of Pandaria a dû. Ah oui, c'est très vieux, Cataclysme. Enfin, très vieux, en soi. C'est assez vieux, Cataclysme. Peut-être. Oh, Stromimi. D'ailleurs, je voulais te dire dans tes vidéos, parce qu'il y a un truc qui m'énerve quand tu Vas-y. Frappes du mob. Et un truc qui me gave quand tu frappes du mob. Dis. Appuie sur ta touche V pour faire apparaître la vie du boss au-dessus de sa tête. Bah, j'ai sa vie qui apparaît de toute façon dans son icône de tête. Bah, mais c'est quand même chiant. Mais moi, je déteste avoir les barres de vie comme ça. Je supporte pas. Avant, je supportais pas, mais alors en raid, c'est diabolique. Quand tu dois changer de target rapidement. Puis j'ai un add-on pour ça, je te le présenterai à l'occasion. Oui, tu sais que j'adore les add-ons. Ouais, tu kiffes mes add-ons. Ah ouais.
Non, je regarde les vidéos, je regarde même des vidéos de strat, alors que j'en suis pas du tout là parce que je suis toujours en pexing. Par exemple, le guide pour pas perdre le nord, je regarde leur strat. Oui, ouais. Parce que j'aime bien, leurs vidéos sont bien faites, elles sont claires, bien détaillées, il y a du boulot et donc j'apprécie de les regarder. Oula, j'ai failli crever, je me suis fait une bulle. Ah, j'ai vu. Alors là, la priorité, faut que tu cours partout et que tu te colles à moi très vite. Je sais pas où t'es. Derrière toi, je suis derrière toi. Le parce problème, que tu as... Je t'ai fait une impôt des mains tout à l'heure pour toi. Merde, je suis en train de te soigner toi depuis le début. Tu veux que je te soigne? Bah approche. J'ai dit quelque chose moi? Non, rien d'important. J'ai rejoint les bras de notre Seigneur Jésus-Christ là, d'un coup là. Oui, d'un coup. Là, toi qui voulais te rapprocher de Dieu, bah t'as fini par le toucher. C'est vrai. J'avoue. Ah, tiens, petite alors... question. ICC, on avait mis un petit peu près une heure à le faire. Celle-ci, tu estimes le temps à combien à peu près? En mode 25, pareil, je dirais. D'accord. Donc peut-être là, une vidéo coupée en deux, alors du coup. Je suis coincé alors... avec toi pendant une heure donc. Voilà. Putain, on n'avait pas prévenu. Hein. Alors, mon petit foufle, il faut respecter la stratégie ici. Bah, je suis mort, oui. Là. J'ai rien à respecter. Non, mais regarde, là, tu revis. Parce que moi, je suis gentil. Oh, merci, monsieur. Il va falloir respecter la stratégie, tu sais pourquoi? Non, mais tu vas parce me que le dire. Parce que sinon, le boss, il va reset. Et on va tous mourir. Ah il, oui, va, moi, il va disparaître, il va falloir le refaire en boucle. Etc. Et te connaissant, tu vas m'envoyer la facture de tes repas, alors je préfère pas. Exactement. Donc en fait, oh, lui, on va le taper. Donc je vais déjà lui mettre un coup, l'histoire de dire. Voilà. Il va faire son blabla, ça sert à rien de. Voilà. Lui, on s'en fout, on va l'affronter un peu plus tard. Allez, et, est-ce que tu te souviens d'Anisra au Mont Ijal? Où il y avait un monde parallèle, là, quoi, dans les rêves, vite fait, revenir dans le boss. Non, je te parle au Mont Ijal. Ah, pardon. Bah, marche rêve. Oui, non, je confonds, oui. Oui, d'accord. C'est bah, une quête du Mont Ijal. Et bah, voilà Alistrazor, disons, un peu manipulé, en fait, qui va pop, qui va apparaître. On affronte Alistra, mais en version. J'attends toujours ce qu'il faut faire, hein, parce que tu m'as toujours pas dit. Hein. Bon, alors, en fait, là, il y a un autre feu qui va apparaître. On va reculer sur une dizaine de mètres. Elle va laisser des plumes derrière elle, tu les prends et tu voles. En volant, il y aura plein de cerceaux. Des cerceaux orange que tu peux pas manquer. Faut que tu les prennes tous et que tu évites surtout de te prendre les nuages qui en haut. Tu vois les plumes, bah faut que tu les prennes. Tu cliques dessus. Je peux pas, je suis mort. Ah. Ah bon ? C'est pas grave, tu feras tes cerceaux tout seul. Pourquoi t'es mort ? Je sais pas, je vais regarder, tiens. Journal de combat, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me suis pris une griffe flamboyante. Et ça m'a fait J'ai peur que comme tu sois mort, le boss reset quand même en fait. Bah non. Bah si, c'est ça m'est un arrivé bug, alors. Bah bien sûr que c'est un bug. Ah d'accord, donc on fait un donjon buggé. Blizzard, c'est buggé depuis 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Bon. Ah c'est bon, j'ai quand même. Alors, Fouflet, monture ou pas monture? Monture, je monture te... Je te raise et je te laisse l'honneur. Ouais. Ah c'est beau, tu flottes. Oui. Tu es tellement gracieux quand tu flottes comme ça dans les airs. Allez, vas-y, fouille mon petit Fouflet. Alors. Pas mon dieu. Non, il y a une dague. Il y a des espaliers en maille. De la plaque avec de l'intel. Des jambières en maille. De la maille. Et de la braise vivante. Et de l'argent. Bon, bah, pas de monture. C'est dommage, c'est triste. Attends, je me buff. Là, le taxi, je te buff aussi. Ah, t'y as cru, hein. Allez. Je n'attends rien de toi, tu sais. Ah, bah c'est normal. J'ai appris à te connaître. tu m'as dit que t'avais des questions à poser aussi. Ouais, mais ça, j'attends le bon moment. Ah, ça sera des questions avec un moment opportun. Mais bien sûr. Là, tu suis, tu restes collé, t'évites les AOE. Ouais. Bah oui, mais tu me dis tu suis. Moi, je me croyais encore sur la moto là. Qu'est-ce que tu ferais pas pour ne pas en foutre une hein? Ah là là. Je Paladin, pas très légendaire, bah. Ah non, mais moi je suis une fiotte, hein, j'avoue. Moi je bubule, moi j'attends que ça se passe. Bubule pierre de foyer quand ça devient un peu trop chaud. Ouais, voilà, je vais me casser. Alors là, strat particule. Ah ouais, putain, on est en 25, ça va prendre du temps. Hein. Alors lui, en fait, notre but va être de focus ce pied-là, le pied droit, le pied gauche de Riolite. Parce que là, t'as mis le pied droit, là. Ouais. Bah tu dis pied gauche, mais c'est le pied non, droit. Non, 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 le pied gauche, j'ai mis la tête de mort sur le pied gauche. Il est face à nous, hein. Ah oui, d'accord, je pensais qu'il était. On a qu'à dire que c'est ton. Oh, j'ai une barre qui est apparue, c'est quoi? Une jauge de direction.
Pour l'instant, ça s'en fout. Et je regarde, il a un buff. Dégâts subis réduits de 80%. Ouais, en effet. Donc j'allais mettre moins 80% de dégâts. Et donc c'est le moment où faut tout claquer. Ouais. Il y aura plein de dégâts. Reste pas trop collé à moi parce que il fait de la OE. Ah oui. Voilà. Ah mais moi qui me suis dit cool, je vais pouvoir participer, je vais DPS un peu, j'ai fait une attaque et j'ai fini dans le sol. Oh mais en plus il m'écrase là, il me marche dessus. Hein, quoi? Aucun même respect goût, pour les morts quoi. Bon bah du coup je bois du coca moi, ça m'occupe. Ouais voilà, et en plus il se heal ce salopio. J'aurais dû prévoir un tricot, comme ça j'aurais pu m'occuper en même temps pendant que je te regarde là. Je pensais que tu ne mourrais pas mais en fait. Ah bah moi si c'est... tu me surestimes là. Ouais, en plus. Et donc, à quoi sert cette jauge de direction alors? En fait, alors à l'époque, j'avais pas trop compris la strat, ou alors je l'ai plus en tête. Pas du tout, même. Non, fallait lui donner une certaine direction pour pas qu'il fasse je sais plus quoi, des volcans. J'ai pas de bonnes. Et non, Dieu. De la plaque, force endue, critique, maîtrise. Oh, bah ça c'est bien ça. Hein, je perds de la force et de la hâte, mais c'est pas grave. Hop. Une masse à une main, on s'en fout. C'est quoi ça? Un dos. Agis en dû, hâte maîtrise. Non, je perds trop de force. Hop, voilà. Ah, t'as des jolis gants pour toi. Oui, j'ai eu des petits gants. Des ouais. Petits gants merveilleux. Je suis content. Et qu'est-ce que ce serait un raise si tu ne pouvais pas raise à pied? Parce que je ne peux pas te raise. Ah merde, faut que je raise. Donc je libère l'esprit alors. Voilà. Navré. Ah, mais tu as. Tu as mais les deux debuffs qui me permettaient de te raise en fait. Enfin genre tu te chopes deux debuffs qui font que je... deux debuffs que je peux qui font que je peux pas te raise. Mais dis-moi, tu as du mal à t'exprimer mon cher petit. C'est l'effet foufflé. C'est pas l'alcool plutôt. C'est à peu près pareil. Hein. C'est vrai que je saoule. Hein. Donc là on a fait 3 boss sur 7 et il nous manque le quatrième certainement le... si c'est pas le plus chiant en fait finalement. De toute façon je meurs sur tous moi. Oui voilà. Alors ne bouge pas Foufflet. D'accord, j'arrive. Je ne bouge plus. Je ne enfin, si tu plus. Peux, tu peux au moins descendre du chemin. Ah. Histoire de dire j'ai fait quelque chose tu vois. Attends je me heal tu vois je fais quelque chose. Champion. Il y a un serpent ici, je vais me venger sur le serpent. Tiens. 25 points je rigole si tu. Alors ah, petite anecdote, j'ai réussi à Beast of Mandarin, j'avais fait un duel contre un ami, je l'ai mis à 1 point de vie. Et en fait, le truc, c'est qu'il avait fait un sort qui génère de l'aggro. Et donc, une marmotte. Donc, tu sais, les petites bestioles, genre type serpent, comme ça. Ouais, mais et là, bah, c'est une marmotte, quoi. Voilà, bah, une marmotte niveau 1, la one shot. C'est la vu honte. Qui lui restait, voilà, c'est la grosse honte. Honte sur toi. Tu one shot sur... par une marmotte. Te faire one shot par une marmotte, ouais, c'est quand même balèze. Hein. Ça me rassure, alors, parce que moi qui meurs tout le temps, je me suis encore jamais mort contre une marmotte. Non, mais ça pourrait venir. Ah, par plein à l'heure, hein. Je suis déjà mort assez souvent là. Je suis déjà fier quand je fais un épisode et je meurs pas dedans. Ici c'est un raid APO par contre. Ça c'est joli. Ça y a du monde. Ah, ah oui, non mais là il y a des chiens qui se baladent en fait. Et... faut les faire. Ouais, des chiens, enfin ce qu'il en reste. Surtout des ossements de chiens. C'est pour nourrir les Belges. Ouais, parce qu'on mange des ossements de chiens nous les Belges. Je savais pas. Ah non, j'étais pas au courant. Il y avait un film comme ça. Comment ça s'appelait? Oui, il recyclait les morts, il les mettait dans la viande parce qu'ils étaient trop nombreux dans le village. Ça me dit quelque chose. Là, je crois qu'il y a le mot vert dedans. Mm-hmm. Je sais plus. Oui, je sais pas si ça te parle. Pas du tout. Ah, oh, il y a le grand méchant K-pop. Ah. Merde, il parle. Il parle menthe. Hop, moto. Il faut le rattraper, il est là-bas. Pourquoi ça fait quoi si on le rattrape pas? Il s'en va? Bah, il fait le tour en fait et il va assez vite. D'accord, mais de toute façon, nous on a une moto en même temps. Oui, non, mais il va quand même très très vite. Ah, c'est très joli le bâtiment ici avec tous les monstres et tout. Bon, on va y aller. Waouh, la classe. La alors, classe à comme... Dallas. Voilà, ouh, attention. Alors, moi, je te laisse ici. D'accord. Comment tu m'as éjecté? Ouah, la salope! Ah, ah, bah, je peux pas le taunt. C'est bon, j'ai fait ma bubule, il revient vers toi. Ah, ça c'est bien. Hop, je vais aller me mettre ici, là je suis bien, là. Ça, je vois tout. Ah! Et restez bien. De quoi? Non, mais j'ai pas trop compris. Il est revenu vers moi, il m'a sauté oui, dessus. Oui, non, je sais, mais Ah, donc moi, je m'en fous un peu. Là, ouais, ça sert à rien. Ah, ouais. Ah, ouais.
Hop. Aïe, il est mort. Oh, oh, une hache. Et un beau collier. Ah, mais surtout la hache, une nouvelle arme. Attends, j'en suis pas encore là. Des poignées, non, ça c'est de l'intel, on s'en fout. Main gauche, on s'en fout. Une hache à deux mains. Voyons voir la gueule de la hache à deux mains. Je peux pas, je suis mort. Je Thérèse. Ah oui. Alors, Genius. Ouais, elle est pas forcément très belle, hein. Elle impressionne pas, disons. Tu sais que celle que j'ai en mode héros, tu sais le stuff que t'aimes bien, mon stuff PVP, qui oui. est tout rouge. Et bah, c'est celle-là que j'aime en mode héros. D'accord. Attends, voilà. Hop, et voilà, dans la moto. Et yolo. Il nous reste plus que 3 boss. Mais dis-moi, ça va très vite, tu es en train de rouler sur cette instance. Et bah, mais regarde, en moto en plus. En moto, quoi. S'il n'y avait pas le poids mort qu'on appelle Foufflé, t'aurais déjà terminé le donjon là. Le paladin très 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 pas légendaire. C'est clair, là je légende rien du tout là. Je cassos, je me mets le plus loin possible. Je me sens tout petit et tout fragile. Ah, t'as déjà regardé toi, soigne. T'as un peu regardé les ZAD que tu vas affronter en Pandarie ou pas encore? Tu gardes la surprise. Les ZAD? Ouais, les monstres que tu comptes affronter en. Ah non, moi je n'ai rien regardé du tout, moi je me spoile pas. Tu affronteras donc les Klaxis. Les Klaxis? Oui monsieur, oui, les Klaxis. Les Klaxis et les Mantides. D'accord. Tu vas bien les aimer, dans le genre ils ont une voix chelou, ils l'ont vraiment en fait. Et quoi, c'est des mobs qui sont en donjon ou des mobs qui se trouvent partout? Oh, les deux, en raid, cœur de la peur. Écarte-toi. Hop. Là, il y a un cristal qui me fait des trucs. Je sais, regardez moi aussi. Et claque ta bubule le temps que je finisse. Je me suis fait toucher par un cristal. Et donc ces fameux ZAD Mantides, ils ont une voix assez particulière. D'accord. Donc je penserai à toi quand je les croiserai. Oh putain, je dérouille. Non, je vais pas mourir. Ah si, et oui, j'ai mouru. Je peux le dire. Oh la honte. Ta gueule. Ta gueule. Oh la loose. Ah, je sais pourquoi en plus, c'est tout con. Pourquoi pendant que je parlais des mantides, bah le cristal, j'ai même pas fait gaffe. Ah, c'est ma faute. Oui, voilà, c'est ta faute. Ça fait des années que tu fermes ce donjon toutes les semaines et là le cristal. Le jour. Ouais, voilà. Bon, bah, écoute, bah ça arrive hein. Oh putain. Ta répute, elle en prend un coup là. Pourtant, on voit bien dans la course sur roche, je lui roule dessus. Ouais, ouais. C'était pas ouais. Toi qui jouais, avoue. Hop, bœuf. Bon, petit... c'est pas grave. J'avais ma revanche. Oui, oui, tu Allez. Vas lui faire sa fête, hein, j'espère bien. Oui, si tu meurs une deuxième fois, tu rage quitte. Ouais. Deux secondes, hein. C'est normal, j'ai mis un accroissement robuste, donc. Et donc, comme je le disais, les mantides. Les mantides. Les ZAD. Elle te porte la poisse, elle. Ouais, mais fallait que j'en parle. Les ZAD avec la voix la plus chelou de Miss Pandaria. Dans le genre. D'ailleurs, c'est. Est-ce que tu sais faire des imitations, toi, Foufflet? Non. Aucune imitation. Ah non, moi je sais imiter rien du tout. Moi j'ai pas une voix qui arrive à imiter d'autres voix. D'accord, dommage. Je pourrais t'imiter le mantide à la rigueur. Ah, vas-y, imite. Parce que quand tu me dis ça veut dire Foufflet, demande-moi d'imiter, s'il te plaît. Alors je te le demande. Non. Ah non, alors si tu me demandes, non. Ah, mais si, je veux que tu l'imites. Tu repenseras à moi quand tu les croiseras. Oui, si je m'en rappelle. Il y a. Bon, alors c'est bon, hein. Je de ce côté-là, je suis posé. Non, il faut à peu près. Je vais tous vous déchiqueter. Ah bah c'est loin de faire peur. Oh non, mais tu verras la gueule qu'ils ont, c'est des grosses sauterelles jaunes. D'accord. Avec une voix dans le genre là. Donc cette fois-ci je reste bien à l'écart des cristaux. Oh là la même. Surtout moi en fait je pense. Alors. Pourtant tu vois il tombe vite hein. Ouais, enfin il tombe vite. Ouais, enfin, je veux dire, il pourrait tomber plus lentement, quoi. Putain, j'ai crevé. Je te déteste. Pourquoi? Je devrais me rappeler que quand je fais des raids avec toi, c'est une usine à mourir pour moi. Je meurs en boucle. Je devrais venir à poil, en culotte, en fait. Oula, il va te dévorer par la lave de sa fureur. Fais attention. Ouais, pour le moment, il la ferme et il croue sous mes coups. Ah ouais. Là, ça va mieux. Oh, le casque.
Oh le casque. Oh il est beau. Oui, il est beau, il est beau, il est beau. Bon là je peux 13. Ah bah vas-y, reste-moi avec plaisir. D'accord, tu pensais que partir à l'autre bout de l'instance allait te sauver en fait. Bah oui, je me suis dit si je me mets loin, il va m'oublier. Mais tu parles que de chi, oui, bah pas oublier du tout. Des brassards en cuir, on s'en fout. On peut pas, on peut pas oublier Foufflet. On n'a pas le droit. C'est un crime contre l'humanité d'oublier Foufflet. Alors il y a deux casques. Force enduit par admettrice. Force en... Ah bah c'est les deux mêmes, ok. Ouais, c'est les deux mêmes. Ils ont une jolie. Quoique, non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes, ta gueule. J'ai cru qu'il y avait une différence au niveau de la gemme et de la métachasse, mais non. Hop. Voilà. Alors là, tu as bien vengé ta mort, là. Voilà, alors, petite cinématique, parce que ça fait plaisir, hein, parce que sinon, c'est pas marrant. Oh yeah. Je sais pas si tu regardes la cinématique ou pas, mais... Ah si, moi je regarde, j'ai jamais vu. Voilà, elle est finie. Voilà, donc... Je sais pas si t'as vu le pont se former ou quoi, mais il était... Ouais. Il est encore tout chaud, mes pneus font dessus. Je laisse des traces de pneus, comme on dit. Ah, cochon. Ah, bah tout de suite, l'esprit... Alors là, par contre, je sais pas du tout comment ça se passe. Y a beaucoup d'ad. D'accord. Bah lâche-moi à l'arrière. Tu sais que tu peux sortir. Voilà, je suis mort. Next. Fallait me lâcher plus loin, pas au milieu des mobs. Tu sais que tu peux sortir aussi hein, de la moto. Je sais pas comment je fais. Mais, sérieux? Bah je suis jamais monté sur une moto moi. Moi ouais. Je fais du dextrier, c'est tout. Oh là là, je suis coincé. Ils arrêtent pas de sauter en fait et ça me stun. Bon, on va laisser faire mes maladies hein. Oh le bug. Je te vois pas moi. Ah moi je vois bien en train de me faire... Putain, hey, je peux même pas bouger hein. Eh bah alors on en chie Dirkos. Bah je peux pas bouger. Je fais comment? Bah je sais pas. Bah leur vie elle descend non? Bah il y avait mes dots, c'est pour ça. Mais sauf que si je peux pas bouger, je fais comment? Bon téméraire sur Dirkos. C'est leur bon téméraire qui te bloque? Ouais c'est ça, ça me stun en fait. D'accord. Bah peut-être parce que t'es la seule... Bah d'habitude tu fais comment ici? D'habitude ils le font pas comme ça. Ah. Et tu sais les cibler, faire un truc, rien du tout? Non, ça me stun en bout. Regarde, bon téméraire étourdi, il arrête pas d'être refresh. Ouais, je vais regarder tes... Ouais, bon téméraire étourdi pendant 5 téméraire, secondes, 7 téméraire. Secondes. Bon, dans 50 secondes, en principe, je suis censé faire quelque chose et mon trinket PVP. D'accord. Si d'ici là, je survie, parce que c'est pas ça, c'est pas ça. Est-ce que tu me reseras ou je reviens à pied, moi? Non, je vais pouvoir te reste, t'inquiète. D'accord. À moins que je meure avant, mais... Allez, encore 30 secondes et je peux... Il y a toujours avec toi qui m'arrive des coups comme ça. Hein. Bah écoute, tu dois porter la poisse alors. Ouais. Peut-être que la monture tombera pour toi à la fin, on sait jamais, ça rattrapera. J'espère pour moi. Si elle tombe, la monture, je crois que je vais t'entendre parler de la monture pendant au moins une semaine. Oh, beaucoup plus. Ce sera grâce à moi, parce que je t'aurais apporté un peu de chance. Bah bien sûr. Ah bah si t'aurais dû l'avoir, tu l'aurais eu depuis longtemps. Hein. Ouais. Allez, ta vie, elle descend, ta vie, quand même, hein, lentement. Ouais, dans 5 secondes, je suis censé pouvoir remettre mes dots. D'accord. Allez, go! Oh, putain, il m'a stun. Non, arrête. Bon, j'en ai tombé un, au moins. Ah, c'est bien. Ouais, et mes maladies ne font que rebondir. Ah, c'est bon, allez. Yeah! Allez, next. Ah, je peux... Si, je peux te raise, mais... Ça, c'est un boss que... Ouais, c'est un boss, mais bah, peut-être pas très après, alors. Ouais, on va faire ça. De toute façon, je suis pas utile du tout, moi, donc. Pour changer. Regarde, là, il se transforme en petit saton tout mimi. Ouais, c'est la classe. À Dallas. Il est joli comme ça. Chambellan forte armure se transforme en félin. Et t'as un bâton de feu. T'as un bâton qui te permet de te transformer comme ça. C'est le truc que Winter il a, non? Que pour le druide, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Il est souvent en chaton de feu, monsieur Winter. Oh, c'est Mimi. Oui. C'est pas Mimi, c'est que sa vie, elle descend vite, hein. Ah ouais. Je crois qu'il se transforme en autre chose, il me semble, après. Je suis plus trop sûr. En marmotte, c'est lui qui est venu tuer ton pote, en fait. Il y a moyen, hein. Et tu évites de venir me piétiner pendant que tu combats, parce que je te vois te rapprocher de mon corps.
Non. Tu m'as sauté dessus. T'as des preuves? Ouais, c'est filmé. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ce détail. Mais c'est pas important. Merci pour le res, je vais me soigner vite fait. Alors, rien. Un sautoir. Du cuir. Alors, guerrier. Non, je suis paladin. Prêtre, tu pourras avoir de jolies épaules. Paladin, prêtre, démoniste, nickel. Et ça, ça s'échange où? Hurlevent. D'accord. Non, juste à la sortie du raid, je crois, en fait. Je sais plus. Je suis un inculte sur ce raid. Hein. Ah, tu me verras pas. C'est ce que je constate. Hein. Et ouais. Hop, je reprends la moto de monsieur Diarcos et c'est parti. Comment je sors de cette moto? Ah, j'ai trouvé, il y a une petite icône sortir du véhicule. Genius. C'est moi. Alors, ici, il y a quoi? Si tu m'as lâché, c'est qu'il y a des mobs pas bien loin. Non, c'est pas que je t'ai lâché, c'est que je peux pas rouler en fait. Ah. Surtout. Ah, bah oui, monsieur, tu pourrais. Si t'étais pas. Pas trop belge sur les bords à fond, tu verrais que tu ne peux pas mettre de monture. D'accord. Tes icônes sont grisées. Ouais, je vois la moutille d'extrême. Des fois, on est en droit de se demander si c'est pas tes sorts qui sont grisés. Il n'y a pas que ça qui est grisé chez moi. Les neurones, ils sont grisés depuis ma naissance, je crois. Hop, il est mort celui-là. Pourquoi tu crois qu'on dit matière grise? C'est vrai. Tu savais qu'on avait aussi de la matière blanche dans le cerveau? Je ne sais pas. Non, c'est pas, ça, je sais pas, c'est pas du tout ce que tu penses. Hein. Et je pensais à quoi? Comment te dire? Tout seul. Ça commence par un S. Ça finit par sperme. Ah. Ça c'est le boss de fin, j'imagine. Bah, tu le cibles et tu regardes son nom. Bah oui, je l'ai reconnu de toute façon. Hein. Il a changé de look par rapport à Molten Core. Un petit peu, ouais. Il loot la masse Ragnaros, la main éteinte. Parce que là, on dirait qu'il a volé les épaulières d'un spectacle de Lady Gaga quand même. Hein. C'est abusé. C'est Lady Gaga qui a plagié Ragnaros. Ah, c'est ça alors. Bon, alors là, faut que tu me suives en fait. Donc, je vais mettre un signe sur moi. Ouais, comme ça, je te vois. De toute façon, quelque chose me dit que toi, tu vas mourir. Bon, alors, paladin, bah. Rose, hein. Eh hey. C'est vieux, ah, oui. Ça. Ouais, mais il n'y a pas de rose, tu m'excuseras. Allez, ma biche, on y va. Le royaume du feu va vous consumer, blablabla. Et je dois rester à côté de toi? Oui, dans la mesure du possible. Tiens, je te heal même. Il va y avoir des adds? Oui. Comme mais quand il prendra soin. Donc là, il va faire taper son marteau, là, on va peut-être s'écarter. Ah, donc en une phase, tu vois, il est déjà à moins de 50% de sa vie. Ouais. Alors tu vois là, il y a plein d'adds qui vont arriver, faut pas qu'il touche le marteau sinon ça saute dans tous les sens. D'accord. Ah oui, puis le marteau, il est pas tout petit hein. Ah, puis on peut passer à travers. Ah, je suis mort. Bah, tu comprends qu'à l'époque, fallait tous les faire. Putain, le marteau, il est énorme. Je veux un marteau de cette taille-là moi. À genoux, il t'a dit. Ah, excuse-moi. Je reste maintenant ou c'est pas nécessaire? Oui, reste. Tu sauras me reste après encore? Oui. Ah bah alors c'est bon. Claque une bubule. J'ai pas eu le temps. Tu sens la réactivité fouflétique. Ouais, mais j'ai claqué une première bubule qui réduisait les dégâts physiques. Non, dégâts magiques, je pensais que c'était magique. Quand je te parle de bubule, c'est vraiment la vraie bubule de pupute, tu vois. C'est vrai. Bon. Suspense. Y a-t-il la monture pour Diarcos? Ton nouveau titre. Ah, je l'ai déjà. Bah, on vient de tuer Ragnaros. Titre. Accepté. C'est quoi le titre? Seigneur du feu. Ah bah, je l'ai pas. Ah bah, pas monture non plus. Mais y a un bijou. Alors, du tissu, on s'en fout. Un doigt. Du tissu, donc on s'en fout. Bâton, on s'en fout. Guerrier chasseur, on s'en fout. Paladin prêtre démoniste, ça c'est bien. Ça c'est cool. ça c'est pas pour moi. Arc, on s'en fout. Un calice, confère un bonus de 6 au score de critique pendant 20 secondes chaque fois que vous infligez un coup critique en mélécula 5 fois. Donc un bijou. Et voilà. Waouh, ça y est, c'est fini. Eh oui, mais attends, hein, c'est pas fini parce que bien entendu j'ai toujours mes trucs. Alors ça déjà je le mets, c'est pour toi, c'est cadeau. De quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est de la bière. c'est pour que
Ça j'utilise. Carapace, alors je vais me faire sexy pour toi. À côté du coffre, tu prends la vidéo, allez vas-y, tu prends. Oh oui, je suis sexy là-dedans. Mais c'est que tu vas nous exciter le public là dans ton coquillage. T'as chopé ça où? En Pandarie, c'est une quête. Une suite de quêtes, je crois. Je suis pas sexy franchement là-dedans. C'est magnifique. Bien entendu, il nous faut célébrer la danse de la victoire. Ah bah oui. Alors bouge pas. Je ne bouge pas. Voilà, lui il danse pour nous. Je suis en train de me faire violer par un arbre là. Ah, t'as l'habitude. Oh, pas par des arbres. Non, c'est toi qui les violes d'habitude. Est-ce que tu te souviens de Milouz, tempête de mana? Oui, Milouz. Oui, bah c'est moi. Ah, trop bien. Et ça, t'as chopé ça comment? Suite de quête de l'auberge niveau 2 au fief. Je sais plus si c'est niveau 2 ou niveau 1, mais. D'accord. Ah, t'as la classe en Milouz. J'ai la classe en Milouz. Alors, je dois avoir autre chose normalement. Le feu d'artifice, parce que sinon, eh ben, on peut pas danser. Yeah, feu d'artifice. On va danser. Voilà, j'ai la classe. Que c'est beau. Moi, je suis un arbre, regarde. Dis, t'essayes de m'impressionner, là, t'attends quelque chose. J'ai le swag d'arbre. Oui, t'inquiète, tu vois, je te propose. Est-ce que tu sais ce que c'est que c'est une marmotte dégageable? Non, c'est quoi une marmotte dégageable? Je sais pas, c'est ça. Bouge pas, je te mets devant toi. Tire dedans, avec son petit casque. Oh, la pauvre. Oh, le nouveau record de 21 mètres. Le nouveau record de 21 mètres. Et après, tu dois aller la ramasser ou elle revient dans ton sac? Oh, tu peux... Non, elle revient... Mais elle est toujours là, c'est un jouet. Tiens, oui, regarde. Je veux dire, là, par exemple, je l'ai balancé de l'autre côté, il est plus dans ton sac, donc. Si, si. Ah, ok, ça va. Et Archimonde, qui nous dévoile ce qu'est la prochaine extension de World of Warcraft. Moi, je dis ça, je dis rien. Bah oui. Alors non, ça, je sais pas quoi ça sert. T'as vu? Alors, produit le gémissement de Marmon. Oh. C'est carrément dégueulasse. Bon bref, j'ai ça pour me transformer en ça. Donc ça c'est moins sexy déjà. Oh, j'ai le swag de poule. Tu ressembles à une Dimas avec des écailles. Tais-toi donc. Un tambour de guerre parce que sinon, eh ben, c'est pas drôle de taper. Oui. Non, ah non, ça c'est pour brûler les cadavres. Voilà, c'est pour faire un peu mystique. Enfin, l'objet ultime à avoir dans sa collection. Est-ce que je l'ai toujours? J'ai pas osé le supprimer. Il doit être dans mes jouets, je pense, c'est obligé. Mmh. Pourquoi mes épaules, elles sont entourées de verre? Je veux pas savoir ce que t'as fait avec, t'es gentil. Bah, je sais pas si toi tu les vois, elles sont très vert tout autour. Ouais. Alors je regarde, inspecter. T'as mis un enchantement, quelque chose? Bah non. Je sais pas, je vois pas ça. Mais je suis entouré d'une petite fumée bleue aussi. Ah, ça c'est parce que je t'ai raise. D'accord. C'est drôle. Donc Pouflet, je te demande donc de t'installer très confortablement dans ce petit coussin. Oh, je peux pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser ici. Non, oh, non, ça c'est moche. Oh. Ah non, ça c'est moche. Mais je peux me transformer en Pouflet. Voilà, je suis Pouflet. Eh. Bah, fais-moi l'amour, Pouflet. Arrête de bouger, je vais voir si t'es vraiment double comme moi. Putain, c'est vraiment moi. Ah oui. C'est quoi ce truc? Tu prends un joueur, tu le sélectionnes et ça te le copie? Ouais. C'est génial. Ouais. Le alors miroir ça fait quoi d'être beau gosse? Et même quand je danse, ça fait la danse des humains. Allez, viens, Foufle, danse. Oui, oh, yeah. Il y a Force X One qui me dit Fouflinou. Il va faire une vidéo, toi, je lui dis. Une Force X News. Oh là là, qu'est-ce qu'on a la classe. On a de la gueule, hein. Oui, hein, c'est comme si j'avais un frère jumeau. Ce que je kiffe, c'est vraiment la gueule du personnage, en fait. C'est vraiment la même. Non, c'est bien foutu. Ouh, on a la classe. Oh bah, Fouflet. Ça y est, t'as tout montré. Ouais, on se quitte en... Non, j'ai pas tout montré. T'inquiète. J'en ai encore sous le pied, comme on dit. Eh bah, écoute, on va arrêter ici, je pense. On a tout montré, là. Eh oui. À moins que tu veuilles taper je sais pas quoi. Non, faudra juste que tu me montres où se trouve le marchand contre lequel j'échange des tokens. Ça, je te le montre en off. Pas de problème. Bon, et bah écoutez, les petits amis, j'espère que ce donjon Terre de Feu, si je dis pas de bêtises, vous a plu. Malheureusement, pas de monture pour moi. Et
Très grosse déception pour Diarkos qui farm en boucle ce donjon chaque semaine pour Ragnaros pour la monture qui n'est malheureusement toujours pas tombée. Moi, comme à mon habitude, vous avez vu, j'ai fait carpet du début à la fin. Je vais payer basse réparation, mais c'est pas grave. GPS, ça m'a permis de découvrir un tout nouveau raid. Enfin, tout nouveau pour moi, hein. Parce que pour vous, il n'est pas très nouveau. Mais moi, je suis très content. Donc, Diarkos, je te remercie. Bah de rien, merci à toi. Vous pouvez trouver la chaîne de Diarkos dans la description de la vidéo. Vous cliquez en dessous et il y aura donc le nom de la chaîne de Diarkos. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ne vous abonnez pas, ça lui ferait trop plaisir. Voilà. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je laisse à Diarkos le mot de la fin. Bisous les gens. Et bah je vais te faire la même chose que tu m'as fait moi dans mon émission pour maniaque. Je vais dire fin. Voilà, tout est dit. Salut tout les est gens. Dit. Au revoir tout le monde.